C'est souvent les grandes crises qui révèlent les grandes nations. Face à la pandémie du Covid-19, le Maroc a répondu en bloc sous la conduite de Sa Majesté Mohamed VI. Une réponse forte, disciplinée et responsable. Face à la crise, la vision royale a permis de déclencher et de coordonner toutes les actions en un temps record. Une vision humaine, proactive et citoyenne qui fait de la gestion du Covid au Maroc un cas d'école international. Pour lutter contre la propagation du virus, le Maroc a adopté une série de mesures courageuses et difficiles à la fois. Fermeture des écoles, de l'espace aérien et maritime, des lieux de rassemblement et des mosquées. Confinement général avec limitation des déplacements et port obligatoire des masques. Pour réussir ce confinement, le pays n'a encore une fois ménagé aucun effort. Exemple parmi d'autres, des dizaines d'unités industrielles ont pu adapter leur outil de production pour fabriquer des blouses, des bavettes et jusqu'à 5 millions de masques de protection par jour. Malgré la crise sans précédent, les secteurs stratégiques sont préservés. Même fermée, l'école est assurée pour tous. Même chez eux, les Marocains travaillent. Même confinés, les ménages ne manquent de rien. Même au ralenti, l'économie tourne. Un élan de solidarité et d'engagement sans précédent a permis de lever 23 milliards de dirhams pour lutter contre les effets du coronavirus. Des fonds pour équiper les hôpitaux, pour aider les plus démunis, pour protéger et pour innover, à l'image de la production du premier respirateur artificiel 100% marocain. Sur le terrain, la mobilisation se poursuit, plus forte que jamais. Le Maroc, son leadership et son engagement africain sont cités en exemple partout dans le monde. Dans l'histoire récente du royaume, l'épisode du Covid-19 restera sans doute parmi les plus douloureux, mais aussi parmi ceux qui ont révélé au monde la force et l'unité d'une nation.